Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir PayPal et Payoneer. Que choisir? PayPal et Payoneer sont deux services de paiement en ligne qui permettent aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir de l'argent à travers le monde. PayPal est plus connu et offre une gamme de plus large de services, tandis que Payoneer se concentre davantage sur les paiements internationaux pour les freelances et les entreprises. Quels sont les avantages et inconvénients de chacun? Nous allons voir PayPal. Facilité d'utilisation. Son interface conviviale en fait un choix populaire pour de nombreux utilisateurs. Large acceptation. PayPal est largement accepté par les commerçants en ligne et les sites e-commerce. Rapidité des transactions. Les transactions PayPal sont généralement rapides, en particulier entre PayPal et PayPal. Option de paiement multiple. Vous pouvez payer via votre solde PayPal ou de carte crédit ou un compte bancaire. Mais quels sont ces inconvénients? Sans frais. Son frais est élevé. Les frais de transaction de PayPal peuvent être relativement élevés, surtout pour les paiements internationaux. Limitation de compte. PayPal peut parfois geler ou limiter les comptes sans préavis, ce qui peut causer des tracas aux utilisateurs. Risque de fraude. Comme pour toute plateforme en ligne, il risque d'avoir un fraude ou de litige avec PayPal. Nous allons voir Payoneer. Avantages. Paiements internationaux. C'est idéal pour les freelances et les entreprises pour effectuer des paiements internationaux réguliers. Option de retrait flexible. Vous pouvez retirer vos fonds via virement bancaire, carte de crédit Payoneer ou utiliser le service de paiement local. Gestion des devises. Payoneer offre la possibilité de détenir des soldes dans plusieurs devises, ce qui peut être avantageux pour ceux qui travaillent avec des clients dans le monde entier. Mais quels sont les inconvénients? Payoneer facture également des frais de transaction, bien que ceux-ci puissent être compétitifs par rapport à d'autres options. Le temps de traitement. Les délais de traitement des transactions peuvent être plus lents par rapport à d'autres services de paiement. Pas aussi largement accepté. Il n'est pas aussi largement accepté que PayPal, en particulier pour les transactions de consommateur à consommateur. En résumé, PayPal, facilité d'utilisation, rapidité de transaction, large acceptation par les commerçants en ligne. Négatif. Frais élevés, risque de gel ou limitation de compte, service client parfois critiqué pour sa réactivité. Pour Payoneer, positif idéal pour les paiements internationaux, option de retrait flexible, gestion des devises, négatif, frais de transaction, délai de traitement parfois plus lent. Moins large accepté que PayPal. Il est important de noter que les expériences individuelles peuvent varier et certains utilisateurs peuvent avoir des avis très positifs ou négatifs en fonction de leurs besoins spécifiques et de leur interaction avec des services. Il est toujours utile de consulter plusieurs sources d'avis et de témoignages pour obtenir une image plus complète. Je vous invite à consulter ou faire des recherches. Ici, vous pouvez voir la comparaison entre ces deux.